Alchimie Amateur Alchimia est né à Savigny-sur-Orge. Son objectif principal est de développer la diffusion de danse orientale dans leur diversité. Le contemporain, l'oriental classique et le tribal. Jeune chorégraphe Sandrine Chalard, ici filmée lors de son solo, est à l'origine de cette formation. Avec l'aide de bénévoles, elle a mis en chantier une soirée intitulée « Alchimie d'Orient ». Un rêve qui s'est concrétisé ce samedi 13 novembre à Montlhéry. La danse orientale est traditionnellement dansée par les femmes. Au menu de la soirée, 5 compagnies, féminité, vitalité et sentiment sont sur scène. La compagnie Alchimia fait vivre la danse orientale dans plusieurs tableaux, comme l'explique une de ses danseuses. L'oriental classique, la Melaya, qui est beaucoup plus folklore, beaucoup plus, c'est vrai, c'est assez drôle, atypique, c'est, oui, atypique, drôle. Comique. On a aussi de la pop orientale, avec Edouard Maya, donc, qui est connu. Quoi d'autre? Les Eldizis. La pratique de la danse orientale nous vient du Moyen-Orient. Place un extrait des Ailes d'Isis par la compagnie Alchimia. Elle aime la danse, l'esthétique des chorégraphies et les costumes de pièces brodées de pierre et des paillettes. Anne a fait récemment son entrée dans la compagnie. C'est vrai que j'aime bien le côté sensuel, les costumes, les ornements. Voilà, j'ai toujours aimé la culture orientale, donc c'était vraiment pour aller jusqu'au bout de ma passion. Fascinée par les métissages, Sandra a pratiqué la danse classique, la danse hip-hop. C'est maintenant le moment de passer à la danse orientale. C'était l'esprit d'être ensemble, en fin de compte, d'échanger, malgré nos différentes cultures, les différents mouvements qu'on avait, tout ça, l'appréhension de la danse. C'est vrai que c'est ça qui m'a intéressée. En fait. Un public hétérogène, la salle du Centre culturel Michel Spiral est comble. Une belle réussite, ce premier rendez-vous de chorégraphie orientale. On regarde sur scène la compagnie Alchimia avec Oriental Fantasy.